c'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche est là, bonjour Arnaud. Oui, bonjour à tous, c'était le rendez-vous détente avec Marine Le Pen. Et alors, dites donc, vous avez vu, nous, ça se passe bien, 2 jours de suite sans catastrophe. C'est bien en ce moment, il n'y a pas de drame, on a juste une tempête, Aline. Et j'ai crié, crié, Aline. Oui alors, faut juste pas qu'elle revienne, celle-là, faut qu'elle s'en aille. Voilà. Mais finalement, au point où on en était, je trouve qu'une tempête, ça va, quoi. On va passer un bon week-end au coin du feu, à lire paisiblement l'interview d'Apolline à TV Magazine. On va se détendre. Mais oui, vous l'avez pas vu. La photo. Elle est dure. C'est gentil. Malgré tout, le conflit israélo-palestinien et le terrorisme continuent de monopoliser l'actualité et de nombreux parents qui nous écoutent se demandent comment parler de la guerre et des attentats à leurs enfants sans les traumatiser. Alors heureusement, je suis tout à fait apte à donner des conseils, vu que je ne suis ni psy, ni parent. Accrochez-vous. Alors certains psychologues recommandent de dire la vérité aux enfants. Si vous êtes une jeune maman, n'hésitez pas à leur dire « Théo, mon cœur, viens voir. Tu sais, il y a beaucoup de choses de pas bien dans le monde en ce moment. Il y a des méchants terroristes qui tuent des gens. Voilà, c'est la vérité. Et il y a autre chose que tu dois savoir. Papa, eh ben, c'est pas ton papa, ton vrai papa. Ton vrai papa, c'est tonton Charles, mais faut pas le dire. Faut pas le dire à ton papa, c'est le secret. Enfin, allez-y mollo, peut-être avec la vérité, on ne sait pas. Alors, je me suis renseigné aussi, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik conseille quant à lui de répondre à leurs questions, mais sans faire de tragédie. Non, alors, pas cette tragédie-là, sans faire dans le tragique, quoi. Je rappelle que Boris Cyrulnik, c'est un écrivain et neuropsychiatre connu pour avoir vulgarisé le concept de résilience dans de très, très, très nombreux ouvrages à succès. Vous pouvez trouver résilience, connaissance de base, la résilience de la recherche à la pratique, résilience, facteur de protection, la résilience à la ferme, la résilience aux zoos, cuisiner votre résilience pour vos amis. Il y a plein de bouquins qui sont très bien. Karim Benzema, Arnaud, réfléchit à attaquer Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a accusé le footballeur d'être proche des frères musulmans. Oui, alors Karim Benzema a rejeté l'accusation via son avocat. Le joueur a même posté une story sur Instagram pour démentir son appartenance à cette mouvance islamiste. Donc c'est une photo de lui qui fait de la muscu sur une plage. Il y a son ballon d'or à côté, la tête de Zidane dans un soleil. Et il a marqué cette phrase que tout le monde comprendra. Il a marqué « Jésus revient, Jésus revient ». Jésus revient parmi les tiens. Du haut de ta croix, indique-nous le chemin. Le joueur cherche visiblement à nous faire comprendre qu'en ce moment, sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, il semblerait que Karim Benzema ne parle même pas arabe. Alors, je me suis renseigné, il y a sur Twitter cette vidéo qui tourne beaucoup. Karim est invité sur un plateau au Koweït, le journaliste le salue, tout ça est vrai. Hein. Donc, c'est salam alaikum, alaikum salam, jusque-là, ça va. Et puis alors, le journaliste lui pose une question en arabe. Et là, Benzema reste muet. Pendant 30 secondes, tu sens que ça mouline. Disons que ça doit lui faire un peu comme à moi quand j'entends de l'arabe, c'est-à-dire j'entends des sons. Ça sonne genre « halwatam saklef et fahamdouli ». Mais ça veut rien dire pour moi, c'est de la musique quoi. Alors sinon, des fois je chope des mots, hein, mais c'est quand j'entends « wirbezenna harnoua kassalom nardenno mokle plombier ». Là je comprends qu'il y a un problème avec le plombier, et des fois il y a un mot en français qui se promène. Mais bon, lui, ça lui fait pas plus quoi. Quand on pose une question en arabe à Benzema, voilà, il y a 30 secondes de silence, et à la fin il répond, je vous jure c'est vrai, muchas gracias. Non. Donc je pense qu'il n'est pas encore tout à fait au point comme frère musulman, même s'il adhère, il est à 4/20. Bien, je vous laisse avec David Kalfa, et sinon je vous souhaite un bon week-end. Lundi je ramène des marrons glacés à tout le monde parce que je joue à Privas en Ardèche ce soir. Et oui, on va se retrouver lundi à 8h20. Salut les Ardéchois, pour nous il est 8h26. Demanche pirate le face-à-face. Demanche pirate le face-à-face ou pas? Bonjour Arnaud. Oh bah si, je vais pirater. Alors, on a plein de rendez-vous ce matin, puisque vous recevez Marine Le Pen à 7h40 et à 8h30, David Kalfa, qui est co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Et on va surtout parler de Marine Le Pen. Désolé David, hein. Désolé. Mais c'est un petit peu comme si Laurent Voulzy passait après Metallica, quoi. C'est bien en soi, mais bon, une tête d'affiche, c'est une tête d'affiche. Voilà. On vous encourage quand même à écouter les deux. Vous avez vu, ça se bouscule hein, pour venir ici. On est RMC, quand même. Hein. On n'est pas le bureau des inscriptions du parti de Nicolas Dupont-Aignan. Alors, vous allez interroger Marine Le Pen, évidemment, sur l'affaire Benzema, les propos de Gérald Darmanin, qui a accusé Karim Benzema de faire partie des frères musulmans. Alors déjà, qui sont
les frères musulmans. Alors, il y en a quelques-uns, laissez-moi vous les présenter. Vous avez par exemple Igor musulman et Grishka musulman, ou bien Joe musulman, Jack musulman, William musulman et Avrel musulman. Voilà des exemples de frères musulmans. Marine Le Pen a rejeté la proposition d'Elisabeth Borne d'une union nationale au motif, par exemple, que Daniel Obono ne partage pas du tout les mêmes opinions. Dis donc, Daniel Obono, en ce moment, c'est la Paul Mirabel de l'Assemblée. Hein, à deux doigts de débarquer en faisant « Salam les royas », juste pour faire style. Est-ce qu'il y a une psychose qui s'installe en ce moment? Peut-être, vous avez vu passer cette info insolite à Valence, le restaurant Chamas Tacos, oui, qui a reçu la visite de la police parce que l'enseigne lumineuse avait un problème. Non. Le C s'allumait plus, du coup ça faisait Hamas Tacos. Et les policiers ont décrété qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Donc ils sont venus, des fois qu'on pense que c'est un restaurant où tu as une Kalachnikov dans ton Happy Meal. Quoi. Ils n'ont pas réparé. Ils sont venus changer l'ampoule. Alors attention, si vous gérez une agence Bahamas Voyage, faites gaffe parce que la lumière du bas marche bien. Parce que Hamas Voyage, là ça rigolera beaucoup moins. Bref, beaucoup de thèmes à aborder avec Marine Le Pen dès 7h40. À tout à l'heure. À tout à l'heure Arnaud, vous serez là aussi à 8h20 bien sûr.